C'est quand même très jeune, il y avait encore une couche, puis il se promenait à l'automne dans la rue, là, vu qu'il n'y a pas beaucoup de trafic ici, là. Puis là, il sautait dans les gros trous d'eau, là. Il était tout le temps très physique, là, tu sais. Il était tout le temps en train de tester les limites. Soccer, gymnastique, il y avait du vélo, il avait fait vélo de montagne, il a fait la course, tu sais, tout au long de sa vie, là, depuis qu'il est innocent. Puis je pense que ses premiers skis, c'est sa gardienne qui a mis sur des skis à 2 ans, là. Je me souviens des skis, en fait, les petits skis rouges, là. Ouais. Ouais, ça a pas duré longtemps, ça, en fait, là. Ça a duré quoi, 1 an, 2 ans? Puis après, vous m'avez mis sur une planche, puis... Edelweiss, Edelweiss. ouais, Puis je me souviens des premières leçons, puis tout ça. ouais, Je me souviens quand le gars, il m'a monté, en fait, dans le chairlift pour la première fois, puis le gars, il m'a dit, comme, « Hey, comme, qu'est-ce que tu veux faire en planche? Comme, qu'est-ce que tu planifies faire? » Puis je regardais le parc, puis le premier feature que j'ai vu, c'était un gros triangle. Puis j'ai vu ça, puis j'étais comme, ah, c'est ça que je veux faire. J'ai une photo de sa première planche, c'était en plastique. On avait acheté ça à tu sais, genre à Zellers ou quelque chose. Puis il était tout petit, là. Puis en tout cas, il était en amour avec la planche, là, aussitôt qu'il l'avait vue. J'en faisais toujours, je pense, c'était 3 4 fois semaine. C'était vraiment ma motivation après l'école. C'était tellement le fun. C'est dur à dire, mais tu t'amuses puis tu te pratiques en même temps. Bah Comme ouais, c'est ça. tu peux pas vraiment te pratiquer sans t'amuser quand tu fais de la planche. Si tu t'amuses pas, puis si tu t'amuses pas, tu vas te faire mal. On est à Edelweiss, on est sur la petite kiddie pente, man. Ça vient de se pratiquer pour l'avant-ski. Yeah, c'est ça que Yeah. c'est. Getting her done. Nice, That's nice. what we're Ok, cool. Fait que tu vas te monter un petit setup, puis on te regarde te pratiquer un peu. Yeah, man. Alright, sounds good. Sounds good. All right, let's get her done. C'est ça qui met terme à notre journée. Bonne Yeah, session quand même. man. Dude, fucking right, man. C'est une petite bonne session, ça. Lander tous les trucs que je voulais, même un truc que je planifiais pas lander. Fait que, hey, mad stoke, for Prêt sure. pour le 8 décembre? Ah oh, ouais, prêt pour le 8 décembre. Better watch out, man. Alright, Joss. Faut dire, tu sais, comme je pense que l'épilepsie, tu sais, quand on. Mais en premier, t'as des crises, puis alors t'es pas sûr si t'es épileptique ou non. T'es pas diagnostiqué comme épileptique. Tout de suite, au début, ça prend quelques crises avant qu'officiellement t'es diagnostiqué tel quel. Fait que c'est sûr qu'au début, tu te demandes un peu, OK, bon, ben c'est quoi ça? T'sais? T'as une inquiétude constante à savoir, t'sais, est-ce qu'il va y avoir une crise aujourd'hui? Est-ce qu'il est à risque jusqu'à un certain point parce que tu veux pas arrêter ta vie? Puis les médecins le mentionnent aussi comme ça. L'épilepsie, je pensais que c'était les gens, tu sais, qui faisaient des séjours puis bougeaient à terre, là. C'est un peu comme question Non, de Moi, ça tout. je pas au courant du tout c'était quoi. Fait que quand il était diagnostiqué, c'est comme un mois, il commençait à penser que c'était l'épilepsie. Là, j'étais comme sur Google. Ben, comment ça se fait, tu sais? Fait que tu regardes quelqu'un que tu aimes en train d'avoir une crise en termes de perdre contrôle total de son corps puis de son cerveau. Puis il n'y a rien que tu peux faire. Ça doit être lourd, ça doit être intéressant. Les C'est très premières fois, surtout, difficile. Tu t'habitues pas. Vraiment. Ça t'affecte à chaque
Ça t'affecte à chaque fois. C'est sûr que ça affecte plus Joël. Mais comme parent, c'est. Tu veux pas ça. Tu veux tout le temps le meilleur pour tes enfants. Toi, de ton bord, Joe, les premiers enjeux que tu as fait face, les premiers que. Pas de conduite. Pas de conduite. Ouais, je peux pas aller voir mes amis. Ça, c'était dur pareil. Déjà là, ça affecte pas seulement toi, ça affecte tes relations aussi, Ah pis tout ouais. ça. Ouais, je vais pas vraiment voir mes amis tant que ça. Fait quand même mal. Mais voilà. Comme le monde n'y comprenne vraiment pas c'est quoi, puis comme on dit, les séquelles de ça, comme ça vient avec des séquelles, puis le monde, comme faut qu'ils comprennent ça, justement, puis il y a beaucoup de monde qui comprennent pas ça. Comme Non, comment dit le monde de construction, ils comprennent vraiment pas ça, ils veulent pas comprendre ça. Comme je pense que j'ai perdu deux jobs de construction, j'avais une vraiment bonne job de construction, puis perdu justement à c'est cause pas de une ça. réalité qu'ils sont capables d'accepter vraiment dans ce monde-là. Vraiment pas. Ah. Tu disais que tu changeais souvent dernièrement de médication, puis qu'il y en avait qui te ralentissaient un peu. Ouais. Si c'est encore le cas avec tes nouvelles. Pour mes nouvelles, ça me donne plus d'énergie. Ben ça c'est plutôt à cause que mes autres ils me ralentissaient, fait que on va dire que mon ancienne énergie est revenue. Je suis capable de parler, je suis capable d'avoir une bonne conversation avec vous autres. Comme là, un mois et demi, 2 mois, je serais pas capable de faire ça en ce moment. Comme j'allais au skate park, j'essayais d'avoir des conversations avec du monde, j'essayais d'avoir des conversations avec mes amis. Puis ça se passait C'était juste pas pas. Non, c'était fluide. vraiment pas fluide. Fallait toujours que je pense 3, 4 fois avant que le mot, comme un mot même, sortait. Je veux pas me sentir comme mal à l'aise. Il y a un gros changement des relations, comme j'avais une blonde, en fait, pendant que j'ai été frappé avec l'épilepsie, comme j'ai été frappé avec l'épilepsie il y a 3 ans et demi environ. Puis en fait, elle m'a laissé comme une couple de mois après que j'ai été frappé comme tel. Puis ça a été à cause de mon épilepsie. Elle était pas capable de dealer avec ça. Puis c'était vraiment dur, c'est sûr. Mais comme je disais tout à l'heure, faut vraiment rester positif. Puis oui, avec les amis, c'est sûr que Tu ça a vois moins été un petit peu. souvent, pis tout Ouais, ça. j'y vois moins souvent, là, c'est sûr. Mais aussi, c'est un peu pour mon école, les affaires de moi. Mais quand je vois mes amis, je suis tellement plus content, je suis tellement plus présent. Comme j'apprécie beaucoup plus ça. J'en ai moins, mais les importants sont encore là puis sont beaucoup plus appréciés. Puis je pense que Ça fait c'est une mieux ça. différence, Ouais, ouais, ça ça. fait une différence, ça fait une major différence. Puis je préfère ça. Je peux pas conduire. Mes amis savent ça. Comme il y a plusieurs affaires. Quand je vais faire de la planche, j'essaie d'être avec quelqu'un toujours. Quand je vais nager, j'essaie toujours d'être avec quelqu'un. Puis ils ont bien compris ça. Que je peux encore faire tout ce que je faisais dans le passé. Comme c'est pas cool parce que je suis épileptique, que je suis pas capable de jouer au soccer, que je suis pas capable de tout faire, qu'est-ce que je pouvais. J'ai juste des limites. C'est juste ça. Avant ski à Cap Fortune, get nous donne. Super. T'es-tu préparé? T'es-tu prêt? Yeah, Comment tu te man! sens? Quand même prêt, je me sens bien là. Ouais, tu Ouais. fébrile? Ouais, As-tu hâte? très prêt. Fais du vélo en masse cette semaine, rider en masse. Ça va être sick, ça va être vraiment Nice, sick, nice, man. man. T'as-tu des espérances pour ce soir? Non, pas vraiment, moi être bien à l'aise, c'est plus pour m'amuser là. Comme Cool. si je fais le podium, je fais le podium. Si je fais pas la finale, je fais pas la finale, c'est ça que c'est. Just trying to have fun. Thank you.
Yeah, man, on est rentré se réchauffer un peu, là. Nice. C'était le fun. Cool, c'est-tu bien passé pour toi? Damn right, c'est bien passé, là. Je suis venu m'amuser, puis that's what happened, man. T'as donné mes trucs que je voulais, fait que je suis vraiment content. Nice, nice. Yeah. Si je te demande ça de même, tu passes-tu prendre en finale? Yeah, for sure. Yeah, for sure? Yeah, for sure. Nice. I think so. All right. That's what happens when you have fun, man. Okay, okay, Joe, on va se retrouver en finale tantôt. Troisième place, third place, we got Wesley Lalonde. All right, on deuxième place, in second place, we got Manu Sepisto. All right, the big winner, our big winner, snowboard, on première place, make some noise, Gabriel Gosselin. $800, 800 piastres. Félicitations, Gabriel. Yeah, quand même très bien content. Ça s'est peut-être pas aussi bien passé que je voulais, mais je suis quand même vraiment content. Nice. J'ai eu des gros tricks, j'ai l'année. Quasiment l'année, un gros trick, là, gnarly as fuck. Là, fait que moi, je suis bien content. Je me suis amusé. That's what counts, right? Cool. Moi, je suis bien content. That's my boy! Yeah! Oh man, that must be disgusting. Nice, mais dans le fond, je pense que t'as réussi à prouver un point, juste pas parce que t'es épileptique que ça t'empêche de faire des trucs. Ouais, non, exactement. Un petit dernier mot de fin avant qu'on finisse. Je peux tout faire si tu veux. Là, comme les autres, je suis peut-être épileptique, mais je peux tout faire comme les autres. Non, that's it. Je suis pas content d'être ça. Prove the point, like you said. Nice.